France, coup de force pour la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Le Maroc attend un geste de la France dans le dossier du Sahara occidental. En France, le lobby pro-marocain s'active pour pousser le président français à faire un pas. C'est le cas du parti Les Républicains. En effet, Éric Ciotti et Rachida Dati, en visite au Maroc, ont affiché leur opposition à la politique d'Emmanuel Macron et leur soutien au plan d'autonomie du Maroc. « Ma position est très claire. Je reconnais cette souveraineté », a déclaré Éric Ciotti. Cependant, le président du parti LR ne mentionne pas les résolutions de l'ONU et la volonté du peuple sahraoui. S'adressant indirectement à Macron, Ciotti a ajouté « Le geste attendu de la part de la France par les autorités marocaines doit arriver ». De son côté, Rachida Dati a affirmé qu'il n'y a aucun doute sur la souveraineté et la marocanité du Sahara marocain. Elle a également rappelé qu'historiquement, la France a été l'un des premiers pays à reconnaître cette marocanité. Connue pour sa proximité avec le Maroc, elle a ajouté qu'il n'y a jamais eu aucun doute dans notre groupe politique quant au soutien de cette position qui relève de l'évidence.